C'est assez simple. À un certain point de nos vies, nous passons tous par des moments de difficulté extrême, que ce soit souffrir soi-même ou voir une personne proche souffrir alors que les possibilités d'atténuer celle-ci sont en existence. Cependant, ce cas présent dépend majoritairement du niveau de conscience de votre proche qui souffre. Ceci fait encore plus mal lorsqu'on sait que le cas présent est évitable et pas nécessaire, mais que les ajustements, comme toujours, n'ont pas été effectués à temps. Et qu'à cause de cela, la personne en question possède un éventail d'éventualités moins grand. En résumé, les ajustements, lorsque faits à temps, vous offrent une plus grande multitude d'opportunités. Plus nous tardons à réaliser ceci, plus cette multitude d'opportunités afin de se sauver se trouve réduite jusqu'au moment où nous nous trouvons vers un chemin de non-retour. Voilà pourquoi nous insistons tant à propos du concept des ajustements métaphysiques, etc. Et là, il n'existe que deux options. La souffrance au sein de notre paradigme existentiel est inévitable vu la nature de notre matrice. Afin de dominer le niveau de souffrance, il nous faut connaître un savoir alimentaire, le régime alimentaire, un sujet très complexe, pas facile à naviguer, pour des raisons évidentes vu la quantité de désinformation divulguée au sein de la société. Il vous faut aussi connaître en connaissance abstraite, mais bien réelle, vu que combattre les micro-organismes, ceux étant négatifs, est primordial afin d'avoir une vie saine et heureuse. Et ces deux options correspondent à celles-ci. Il n'en existe que deux. Soit vous allez au-delà de la souffrance, comme le titre l'indique, soit malheureusement, la personne n'est pas assez forte, ou plutôt consciente, donc ne sait pas quoi faire, afin d'aller au-delà de cette souffrance et vivre au-dessous de la dite souffrance. Afin d'aller au-delà de la souffrance, vous devez avoir des requis. À un certain point, ces requis ne sont plus des suppositions, mais des certitudes. La foi, l'espoir et l'amour. La foi, l'espoir et l'amour. La plupart des gens ne savent pas que les périodes de tribulation sont suivies de périodes de grâce. Afin de faire simple, une personne qui n'est pas en mesure d'aller au-delà de sa souffrance personnelle tombe en dépression, ce qui ouvre la voie à l'oppression et la possession. N'oubliez pas que la souffrance est un vecteur d'attaque utilisé par les êtres négatifs de densité 4. Ils peuvent donc profiter de cette brèche afin de se nourrir et même renforcer la situation dans certains cas, bien qu'ils n'aient en aucun point été les initiateurs. Vous êtes tous connectés au monde de la contemplation du point de vue des cycles de vagues à court terme. Qu'est-ce qu'un cycle à long terme et un à court terme? L'homme est-il enfermé dans la matière physique? Par choix. Pourquoi a-t-il fait ce choix? Afin d'expérimenter les sensations physiques. Ce fut une décision du point de vue de la conscience d'un groupe. Qui était responsable du groupe? Le groupe. Le contact entre esprit, âme et corps physique. Produit-il des éléments désirables pour d'autres êtres vivants? Toutes ces choses ont des conséquences à la fois désirables et indésirables. Mais il convient de mentionner que toute expérience existentielle ne peut consister que de deux façons. Les cycles à court terme et ceux à long terme. En revenant sur la question précédente à propos de la prison de l'existence physique, qui est évidemment volontaire et voulue, cela est dû en grande partie au fait, au désir d'expérimenter de passer d'un long cycle de vagues à un court cycle de vagues, ou encore du long cycle correspondant à l'état éthérique spirituel, par opposition au cycle à court terme désigné comme étant l'existence sur le plan physique. La différence consiste au fait que les vagues à long cycle comportent des changements graduels dans l'évolution de façon cyclique, tandis que les vagues à court terme impliquent le concept de dualité. Dans ce cas, les âmes enfermées dans un corps physique comme expérimentées dans ce plan d'existence le sont, car l'âme expérimente la moitié de son existence dans un état éthérique et l'autre moitié dans un état d'existence physique, tandis que ces médianes ne sont pas mesurées, estimées dans le temps, tel que vous avez coutume de le faire, la totalité de l'expérience est équivalente pour chaque médiane. La nécessité de former les cycles de vagues à court terme a existé de façon naturelle à travers la connexion de l'univers quand le groupe de conscience a décidé d'expérimenter la physicalité par opposition à l'état complet d'existence éthérique. Ce contact produit-il un produit dérivé? Correct, mais des produits dérivés de chaque part, c'est-à-dire positifs et négatifs. Mais quelle est la nature de ces produits? Lequel en premier? Prenons le positif. Le produit dérivé positif est une énergie relative qui accélère le processus d'apprentissage de l'âme et de tous ses partenaires, un et deux, dimensionnels, en d'autres termes, le royaume minéral et celui de la faune. Toutes les expériences d'accroissement et de mouvement
tendent à la réunion à un rythme plus rapide, moyennant le cycle à court terme vers le transfert du physique slash éthérique. De façon négative, ce produit dérivé produit également de nombreuses expériences négatives pour ces mêmes entités qui autrement n'auraient jamais eu lieu d'être pour les êtres de densité 1 et 2, car de par leur nature intrinsèque, ils expriment un long cycle à long terme dans le plan d'existence physique, tandis qu'ils expérimentent un cycle à court terme dans le plan d'existence éthérique, principalement à cause du contact avec l'espèce humaine dans son cycle de vague à court terme, semi-physique slash éthérique. Fin de l'extrait en question. De même que les cycles de vagues peuvent être à long et court terme, et bien les tribulations également. La tribulation correspond généralement à une souffrance de vecteur d'attaque dirigée à long terme. Certaines fois, elles sont à court terme, mais ce ne sont généralement pas des périodes de tribulation. Car comme dit, la tribulation est une forme de souffrance qui dure beaucoup de temps du point de vue de la perception des gens en densité 3 lorsqu'ils l'expérimentent. La façon la plus efficace de réduire, d'écourter ces périodes de tribulation est d'obtenir une conscience de haut degré. Autrement, ce qui détermine qu'une personne est sur le point de succomber face à ses malheurs concerne le point de rupture, la résistance. Tous les gens ne sont pas aussi forts mentalement, et encore là, c'est une question de conscience. Plus la conscience est grande, plus le point de rupture est difficile à trouver et à atteindre. En ce sens, si votre conscience devient plus forte, une phase de souffrance mentale slash physique qui auparavant aurait duré 10 mois ne durera cette fois que 2, 3 jours. Un des moyens de trouver cette haute forme de conscience est de toujours savoir se réjouir, même en souffrance, même dans le malheur, en tirant les leçons fondamentales, en sachant que celle-ci vous rendra plus fort et non pas plus faible ou vulnérable. Comme dit, c'est physique slash mental et psychique.